C'est l'un des piliers du maître-autel de l'église de Rennes-le-Château. On l'appelle le pilier wisigoth. Saunière a découvert les parchemins à l'intérieur. Ils avaient été cachés là pendant la Révolution. Et Saunière a trouvé le trésor grâce à ces parchemins, là. C'est pas aussi simple que ça. Personne n'y comprenait rien à ces manuscrits. Ils avaient été écrits en langage codé. Alors, il fallait d'abord les expertiser et puis les traduire. Alors Saunière est allé à Paris et on l'a mis en relation avec un jeune homme, moitié artiste, moitié curé. Un certain Émile Offet, un type bizarre. Ben lui, ça. Oui. Émile Offet était très répandu dans les milieux occultistes de l'époque. Il emmenait son abbé chez un tas de gens célèbres. Pierre-Louis, Debussy. Et c'est comme ça que Saunière a rencontré la cantatrice Emma Calvé. Ouais, c'est elle, là, alors. Oui. Elle a joué un rôle? Oui, dans son lit. Un sacré séducteur, le curé Saunière. Une femme dans chaque port. À Rennes-le-Château, c'était la petite Marie Desnarnaud. Et à Paris, la diva Emma Calvé. Bon, et alors, après, il est rentré à Rennes-le-Château avec ses documents traduits. Il y a beaucoup plus. Beaucoup, oui. Vous allez trouver du changement. Quel changement? Vous verrez. Alors, on est de retour. Bonjour, Brassac. Bonjour, curé. Salut, René. Ah non, curé, pas par là. Tout droit. Par où? Presbytère. On a terminé le travail hier. Avec Augustin et le petit Manou. Qu'est-ce que vous en dites? C'est propre. On vous attend, curé. À plus tard. René, il faudrait que tu me donnes ton compte. Ça presse pas. Curé Marie, on ne le verra plus. M. Boudet, il se moquait de moi. Il t'a oublié, Marie, sûrement il t'a oublié. À Paris, il y a plein de belles dames, des robes du soir, des bijoux. Il ne pense plus à toi. C'est l'abbé Boudet qui s'est permis de te dire ça? Je lui ai pas répondu. C'est un méchant homme. Thank you.
À manger? J'ai voyagé toute la nuit. À Carcassonne, j'ai pris la pata jusqu'à Limoux. Et puis, un paysan m'a ramené jusqu'à Rennes-les-Bains. Ferme les yeux. Bouge pas. Tu peux regarder maintenant. C'est de l'or. C'est pour moi. T'es devenu riche, Béranger. Pas encore, mais il le sera bientôt. Un bon voyage, Saunière. Je viens d'arriver. Parfait. Je voudrais vous parler. Bonjour, petite. Je m'appelle Marie, monsieur. Bonjour, mademoiselle Marie. Ah, mais votre installation s'améliore, mon cher. N'oubliez pas, monsieur l'abbé, que je suis ici, chez moi. Oui, c'est-à-dire? Je vous demande de bien vouloir respecter les usages, de m'avertir de vos visites et de traiter ma servante comme elle le mérite. À bonne heure, votre voyage. Vous avez donné de l'assurance, Sonia? Non, du savoir-vivre. Bon, pardonnez-moi d'avoir troublé votre intimité, mais il fallait que je vous voie d'urgence. Nous avons plusieurs questions à régler. Tout d'abord, l'argent. Au fait, vous avez remis une somme? Oui, 50 000 francs. Sur lesquels vous avez payé vos frais de séjour et de voyage? J'ai pas fait les comptes. Non? Le prieuré me les a transmis. Un ciboire en argent, deux reproductions, une chaîne en or et une croix destinée à... Bon, une émeraude, certie d'éclat de diamant, mazette, vous avez du goût. La dame aussi. Comment s'appelle-t-elle déjà? Des châtaignes pour toi. Merci, madame. Il est revenu, monsieur le curé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Non, c'est rien, c'est des oignons. Bien. J'ai vu des bandits. Ils étaient assis devant le cimetière. Ils mangeaient. Je leur ai dit bonjour. Ils m'ont pas répondu. Bergère, pas de tentation que Poussin Ténier garde la clé. Poussin, les bergers d'Arcadie, Ténier, la tentation de Saint-Antoine, ça correspond. La première clé est dans ces deux tableaux. Après. Oui. Amélie Pontbleu. Aucun sens. À Dagobert II et à Sion est ce trésor et il est la mort. Qu'est-ce que Dagobert vient faire là-dedans? Eh bien, il faut vous reporter aux autres documents, où sont-ils? Voilà. Le dernier roi mérovingien Dagobert II a été assassiné en 679 sur l'ordre du maire du palais. Son fils n'avait que 3 ans. Et il a été sauvé par la reine qui s'est réfugiée dans le Razès. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle descendait des Visigoths. Redet désigne Rennes-le-Château. D'ailleurs, le comté de Redet portait aussi le nom de Razès-Visigoth. Ce qui veut dire que le trésor de Rennes-le-Château appartient donc aux descendants de Dagobert II. Et donc, eux, aux Mérovingiens. À Dagobert II et à Sion et ce trésor. Mais il y a longtemps qu'il n'y a plus de Mérovingiens. Reportez-vous à la généalogie, vous verrez. Sigisbert V, Thierry, comte de Narbonne, Guillaume, Alfred, Blanchefort. C'est la famille dont vous m'avez parlé. Oui. Il y a une tombe dans le cimetière. Oui. Celle de Marie de Houpoule, dame de Blanchefort. Et c'est le chapelain des Blanchefort, l'abbé Antoine Bigou, qui a caché les documents dans le pilier visigoth de l'église.
Il y a donc une relation entre cette famille et le trésor. Et cette tombe? Et vous la connaissez, cette tombe? Non. Je sais seulement qu'elle comporte une inscription inexacte. La deuxième clé que nous cherchons se trouve peut-être là. Marie? Marie? J'ai été attaqué. Je sais. Ils recommenceront. Et qui sont ces hommes? On les appelle les Johannistes. C'est une secte d'hérétiques. Ils veulent le trésor. Ils veulent aussi me détruire. Qu'est-ce que je dois faire? Le prieuré s'en occupe. Faites-nous confiance. Et n'oubliez pas la tombe. Oh, bonjour. Marie, le pétrole. Marie, le pétrole. Merci, madame. Où sont rangés les outils? Hein, les outils, où ils sont rangés? Je pose une question. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu pleures? Mais regarde-moi. J'ai fait du mal? J'ai tout entendu. J'ai entendu ce qu'il a dit, monsieur Boudet. T'écoutes aux portes maintenant? J'en veux plus ton cadeau. Marie, écoute-moi. Regarde-moi. Marie, écoute. T'es mon égal. Jamais je te quitterai. Tu m'entends? C'est ton bien. Ma maison, c'est ta maison. Et ma vie, ce sera ta vie. Comment? Tu sauras reconnaître la tombe. Oui. T'as froid? Non. Mais ranger, c'est mal ce qu'on va faire. Il le faut.
Marie Denardo. Vous me connaissez, je suis d'Esperanza. Je vous aime bien. Je dis des prières pour vous à l'église. Marie, qu'est-ce que t'attends? Viens. Viens. Que vos âmes reposent en paix. Priez-vous, bien sûr. Sigi, noble Marie de Nègre d'Arles, dame de peau de Blanchefort, âgée de 67 ans, décédée le 17 janvier 1681. Quelle heure, pardon. Écarter les curieux. On va.
Deus missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius Spiritus Sanctus. Sur les temples. Ils ont fait le sabbat toute la nuit. Qu'est-ce qu'il a dit, Augustin ? Les chevaux ont les yeux tout rouges. Il a vu des chevaux avec des yeux rouges ? Quoi ? Qui a les yeux rouges, Augustin ? Tu sais le chemin ? Monsieur le curé. Bon, tu demanderas la maison de monsieur l'abbé Boudet. Je connais, c'est le vieux. Le vieux. Bon. Tu t'attends pas en route, hein ? Tiens, Manon. Allez. Entrez, monsieur le maire. La maison de Dieu vous est ouverte. Alors vous aussi, vous croyez aux fantômes ? Vous, un républicain ? Je crois ce que je vois. J'ai vu la tombe dans le cimetière et toute saccagée. Et puis on a entendu des chevaux dans la nuit. Ce monde-là, c'est pas naturel. Vous voulez mon avis, monsieur le curé ? Depuis un temps, le village est ensorcelé. C'est votre tête qui est ensorcelée, Gustave. Ne croyez pas au racontant des bonnes femmes. Demain, je donnerai ma messe à l'intention de la dame de Blanchefort, pour que son âme repose en paix, et la commune aussi. À propos, j'ai de l'argent à vous remettre. Vous savez, les documents trouvés dans l'église, j'avais demandé une expertise. On m'en a remis une assez bonne somme, 6000 francs. Il vous en vient la moitié. La voici. Pour vous consoler des fantômes. Arcadia ? Arcadia ? Arcadia ? Ad lapidem curebat Olim Regina, ad lapidem crebat olim Regina, ad lapidem crebat olim Regina, Samech, Samech. Samek, une croix. Marie. Marie. Marie, viens voir. Est-ce que c'est clair, mon dessin ?
Arcadie, c'est le tableau de Poussin. Un peu de latin maintenant. Ad lapidem curebat olim regina. Vers la pierre courait olim jadis la reine. Bon, les pierres, c'est pas ce qui manque ici. Samech, c'est de l'hébreu, c'est dans l'alphabet, c'est la 15e lettre. Ça veut dire le serpent, la prudence. Et la croix, c'est le sacrifice et la récompense. Alors, il ne reste plus qu'à trouver l'Arcadie, la pierre. Je la connais, l'Arcadie. C'est un tombeau au milieu d'une clairière. Quand j'étais petite, avec mes parents, un dimanche, on est allé manger chez une vieille dame. Je ne sais plus qui c'était. Une cousine, peut-être. Et après le repas, en se promenant, au milieu de la clairière, on a vu un tombeau. C'est le même! T'es sûr? Vous étiez où? Dans quel village? La vieille dame, elle habitait où? Attends. Je sais plus. Moi, j'ai vu des bandits. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les bandits? Je sais pas. Ils se promenaient dans le cimetière, chercher des morts. T'as eu peur? Un peu. Mais monsieur le curé, lui, il n'a pas peur. Il les tue, les bandits. Ah, Marie, la vaisseaunière est là? Dans son bureau. Manou. Qu'est-ce que t'as? J'ai froid. Viens, je vais te faire du bouillon. J'ai repéré l'Arcadie grâce à Marie. Savez-vous où se trouve le village de Serres? Ici? Bon. C'est à côté, dans la forêt, un tombeau. Mais je sais, c'est le tombeau de la famille Galibert. Il est récent? Oui. Alors? Oui, mais c'est la réplique d'une tombe très ancienne qui avait été détruite. Vous avez raison. C'est le même tombeau que celui des bergers d'Arcadie. Je n'y avais pas pensé. Voulez-vous me passer la traduction du document? Mais... Merci. 35 bergers ne tentent pas la reine. La pierre de la reine. Je la connais? Elle ressemble à un dolmen. On l'appelle la pierre de Serbaïrou. Elle est ici. Saunière. Je crois que nous l'avons trouvée. Bon, allez, sauve-toi maintenant. Mais qu'est-ce qu'il cherche, monsieur le curé? Mais rien, rien du tout, des cailloux. Allez. Marie? Avec ces deux points, nous avons les deux côtés du triangle rectangle. Alors, pour tracer le troisième, j'ai besoin de connaître la valeur de l'angle aigu. 35 bergers. Pas de rapporteur, je referai le calcul chez moi. Et voici l'entrée de la grotte. Enfin, à peu près. Le monde la pique. Des cailloux, des ronces, la garrigue, et une bonne dizaine d'hectares. Et de l'or en dessous. Thank you.
Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça, notre curé? Il paraît qu'il cherche des cailloux. Pourquoi? À midi, pomme bleue. C'est joli, pomme bleue. Pomme bleue. Pomme bleue. C'est là. C'est ça les pommes bleues? Elles sont pas bleues? La nuit on voit pas. Le bleu c'est un reflet du soleil à midi, dans cette position. Thank you.
De l'or, Marie. Plein d'or. Sur la part qui vous revient, combien y en a-t-il? Difficile à évaluer. Peut-être une centaine. Et comment ferez-vous? J'irai chaque jour avec Marie les chercher. Mais vous ne pouvez pas les garder tous ici. Vous demanderez à vos amis du prieuré de venir les charger. Oui. Où? J'ai mon idée. Lourdes vos châtaignes, monsieur l'abbé. Ce sont les dernières. Allez. Avez-vous découvert autre chose? J'ai pas été plus loin. Le trésor ne s'arrête pas là, il existe d'autres caches. Il y a un risque. Vous avez peur? Non. Pourquoi tu veux y retourner? Tu sais bien qu'il n'y a plus d'or. C'est la dernière fois, Marie, je te promets. Mais qu'est-ce que tu cherches, Béranger? Qu'est-ce que tu cherches? Combien y en a-t-il? 22 marges, comme les 22 lettres de l'alphabet. Chaque lettre doit avoir un sens, sa bête, la prudence. Aleph. Bête. Kibel. Réalisation. 5. Rave. L'inspiration.
cave. Marie, j'ai trouvé. Qu'avez-vous trouvé, monsieur l'abbé? Le fameux trésor? Eh bien, allons-y ensemble. Vous passez devant avec madame. N'aie pas peur, il connaît pas la marche piégée.